Salut à vous, j'espère que vous allez bien, c'est une super journée de soleil, c'est mercredi. J'ai promis aux enfants, bien sûr, de leur faire une petite cabane dans le jardin, qu'ils n'ont pas encore, avec une balançoire intégrée. Donc ça, c'est tout le bois brut que je viens d'acheter à la scierie. C'est que du Douglas, il y en a pour une centaine d'euros. Alors clairement, je pense qu'il y en a beaucoup trop, il y en a plus que pour la cabane. Mais bon, j'aime pas quand il me manque un bout de bois, et puis il faut que je retourne à la scierie, ça m'emmerde un peu. Et puis moi, du bois, j'en utilise tous les jours, donc ça va me servir. Donc j'ai de la planche de 150 par 27 mm, des poteaux de 80-80, du chevron et du demi-chevron. La cabane, ça va se passer là-bas, sur la souche que je vais nettoyer, qui va me servir de poteau central. J'ai pas fait de plan, que j'ai pas le temps, je vais laisser place un peu au freestyle, de temps en temps ça fait du bien. Et puis voilà, je sais pas si ça va tenir en une partie, vous le savez, parce que la vidéo, au moment où vous la regardez, est sortie. Voilà, donc je vais sortir tout ça, on va s'installer un petit peu dehors, sortir la raboteuse, la scie à onglet, un petit peu de matos, se mettre au soleil, bosser dehors, ça va faire du bien. Alors si ça vous intéresse, suivez-moi dans ce projet. Allez, go! Coucou, le temps est un peu dégueulasse ce matin, mais bon, je vais essayer d'avancer quand même un petit peu sur le chantier. La plateforme est prête, c'est d'aplomb, c'est d'équerre, donc il y a quand même gros du boulot qui est fait. Maintenant, ça va avancer assez vite, je pense. Je voulais faire un petit arrêt pour vous parler de la quincaillerie que j'ai achetée. Voilà, je vais utiliser exclusivement de la quincaillerie inox. Donc tout est inox à deux, donc que ça soit les tire-fonds, les clous ou les vis de terrasse. Voilà, donc c'est une option, on va pas se mentir, qui est assez chère, donc c'est pas donné. Mais si on veut faire un projet qui s'inscrit durablement dans le temps, je pense que c'est indispensable. Voilà, après c'est mon choix. Vous ferez comme vous pouvez ou comme vous voulez. Voilà, donc on continue, on va faire la petite le plancher de la plateforme et puis ensuite on va monter entre guillemets les murs, ça va aller assez vite maintenant. Allez, go! Voilà, la plateforme et la mini terrasse, c'est terminé. Maintenant, on va passer un petit peu à l'armature autour. Donc la cabane, elle se présente comment?
On va laisser une partie de terrasse ici et ici, ou que devant, je ne sais pas encore, toujours pas sous freestyle. Et puis l'armature, on va la faire avec du demi-chevron. Du demi-chevron, c'est ça. Voilà, c'est un chevron qui est coupé. Voilà, donc armature en demi-chevron, tout le tour. On va laisser des ouvertures pour les fenêtres, une porte. Et puis ensuite, ce sera du bardage avec des planches comme ça autour. Donc on peut y aller, on continue. Voilà, on est pépère, on est tranquille, on avance phase par phase. Donc j'ai rajouté des petits raidisseurs ici et là, parce que j'enlève ça. Au final, ce petit type d'assemblage, c'est comme dirait pour la fabrication d'une mob, une maison ossature bois, comme le garage là-bas. Sauf que sur une mob, on a le bardage qui vient à l'extérieur, mais on a aussi une plaque d'OSB qui, grâce à son équerrage, hein, la plaque tout simplement, elle rigidifie la structure et elle la rend plus facilement d'équerre. Donc là, pour pas que ça bouge, des petits raidisseurs comme ça. Là, ici, ce sont les fenêtres. Une, deux, la porte d'entrée. Voilà, très tranquillement, on va finir les deux pignons pour la couverture et puis ensuite, on va pouvoir barder la cabane avant de continuer la suite. Thank you.
Voilà, ça se tire pour aujourd'hui. De toute façon, j'ai plus assez de planches. Donc il faut que je retourne en chercher à la scierie. Et puis j'ai eu un petit problème avec l'espèce de piquet torsadé là. Celui-là, j'ai réussi à le mettre. J'en ai quand même pas mal chié, on peut le dire. Hein. Et celui-là, bah en fait, je me suis époumonné pendant 2 heures. J'ai tourné, il n'y a rien moyen de faire. Je pense que je suis tombé sur une souche ou un truc comme ça. Donc il faut que j'aille acheter un poteau, je pense en galva, comme pour les fondations. Salut toi. Comme pour les fondations, et puis je le fixerai avec. Voilà, ce qui fait que j'ai pas pu finir mon assemblage. Donc c'est tout pour aujourd'hui, on revient demain matin, et à mon avis on finit. Voilà, donc je reviens tout droit du ferraillou, là où j'ai pu récupérer les fameuses tôles pliées. Donc ça, c'est la faîtière, les petites baguettes d'angle, les vis qui vont bien, mais bon, qui coûtent super cher. Et puis là-bas, la tôle avec un petit film anti-condensation pour faire la couverture. Donc là, ce coup-là, on touche vraiment à la fin. J'installe les petites baguettes de finition, la toiture et c'est terminé.
Et voilà, c'est complètement fini pour la cabane. Il y a un sacré petit vent là, j'espère que le son va pas être trop dégueulasse. Donc comme vous pouvez le voir, elle a déjà été colonisée par les petits. Donc pour résumer sur cette cabane, ce qu'il faut savoir, donc ce qui est important, c'est que tout est sur pilotis. Voilà, le bois n'est jamais en contact avec la terre directement. Hein. C'est ça que le bois n'aime pas, quand l'eau reste et que stagne. Le bois, là, il est rose, demain, il va être gris. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que mon Douglas à l'extérieur, je le traite pas. Et voilà, donc il va devenir tout gris avec le temps. Moi, ça me dérange pas. La cabane en elle-même est donc sur 4 piquets en galva, donc pas de contact avec l'eau. Ici, donc les deux piquets, la vrille qui se tourne, vraiment ça, j'ai pas aimé, c'est pas une bonne idée, c'était chiant. Je vous conseille de prendre les petits piquets carrés en galva qui vont bien à planter à la masse. Les petites baguettes d'angle, clairement, c'est de l'option, hein, c'est en plus. Donc toiture plus baguette d'angle, là chez mon ferraillot, j'en ai quand même eu encore pour une centaine d'euros. Voilà, le bois 120 euros, la quincaillerie, les vis, tout ça, inox, j'ai pas compté, mais évidemment ça a un coût, c'est assez cher. J'ai quand même eu un petit peu de travail, hein, 4-5 jours de boulot pour faire cette cabane, pour faire un truc propre et correct. Les enfants sont contents, moi aussi je suis content, la balançoire c'est pas pour moi, hein, j'ai réussi à me sevrer il y a bien longtemps déjà. Tous les agrès de balançoire, donc la corde, les deux balançoires, les petites fixations en haut qui vont bien, ça c'est acheté sur le site Mano Mano. Je vous mets des petits liens ici, des liens dans la description, beaucoup de liens. Donc pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, ces liens sont affiliés. Voilà, ça veut dire qu'ils sont tracés, ils vous emmènent sur un site marchand. Je touche un petit pourcentage, quelques miettes, genre 2 ou entre 2 et 5%. C'est pas grand chose, mais pour vous c'est le même prix et moi ça peut m'aider. Alors clairement, moi hein, je manque de rien, tant mieux, pourvu que ça dure. Vous avez aussi le Tipeee, là ici, Utip. Donc ça c'est pour, comme disait YouTuber, offrir un petit café ou bien même complètement gratos, vous pouvez mater une publicité aussi. C'est toujours pareil, c'est comme vous voulez, il n'y a pas d'obligation. J'espère que cette petite construction de cabane en extérieur vous donnera des idées, que vous avez trouvé ça sympa. N'hésitez pas à poser un commentaire, c'est bon pour la vidéo, pour le référencement. Un petit pouce en l'air, ça fait plaisir aux créateurs. Moi, je vous dis à bientôt pour plein de nouveaux copeaux. Portez-vous bien. Ciao. À bientôt.